Et yo les gens, c'est Mustice, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas je la forme. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve sur la web app. Alors je vais vous expliquer les gars, j'ai enfin la Xbox One, donc franchement je suis super content. Mais il y a un petit souci, c'est que en fait mon AverMedia à mon avis est trop vieux. Enfin du moins si vous voulez, j'ai rien qui puisse relier mon AverMedia à la Xbox One. C'est à dire que le câble que je branchais à ma Xbox 360, bah il est pas compatible avec la Xbox One. Parce que c'est sûr, il y a pas les mêmes entrées et sorties. Enfin bref, je sais pas si vous me comprendrez. En tout cas c'est assez délicat, mais je vais essayer de me procurer un adaptateur. Enfin on m'a aidé sur Twitter, donc je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé. Donc aujourd'hui voilà, on se retrouve sur la web app. C'est pas vraiment pour une technique, mais c'est pour une technique, mais c'est pour vous faciliter un petit peu la vie, on peut dire ça comme ça. Donc je sais qu'il y a sûrement des gens qui font de l'achat vente avec les joueurs boostés. Alors je sais pas ce que vous utilisez comme technique, parce que c'est vrai que moi j'utilise pas du tout les joueurs boostés, même si ça doit super bien marcher j'imagine. Mais disons que vous vouliez acheter le moins cher des joueurs, donc ça peut même être pour vous acheter un joueur dans une équipe le moins cher possible. Donc ce que vous faites, je sais pas, par exemple vous avez masse crédit et vous avez envie de vous acheter Alexis Sanchez. Vous allez dans l'équipe concept, donc pour Xbox, Play, PC, c'est pareil. Vous allez tout simplement dans équipe concept, que ce soit sur la web app ou sur console, vous avez votre Alexis Sanchez qui est ici. Donc sur la console, il me semble qu'il faut faire LB sur Xbox. Donc après sur Play, je sais pas ce que ça sera. Mais donc ce que vous faites LB, et donc ça va vous faire une recherche sur le marché du joueur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait. Et ils nous mettent uniquement les Alexis Sanchez en boost. Donc là, c'est quand même beaucoup plus facile pour la recherche. C'est-à-dire que vous l'avez directement en boost et vous n'avez pas tous les autres qui ne sont pas boostés et qui viennent un petit peu pourrir votre recherche. C'est-à-dire les gens qui mettent leur Alexis Sanchez à 400 000 et qui pensent qu'il va partir. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que là, vous allez chercher... Bon, là, on va éviter... Cherchez votre Alexis Sanchez, voilà, vous allez tomber sur le moins cher du marché tout de suite. À tous les coups, en plus, je veux dire, pour ceux qui utilisent cette technique où vous savez, vous faites retour et vous faites rechercher, il y a moyen de se faire énormément de bénéfices, parce que je sais que j'utilise cette technique avec certains joueurs et ça marche plus ou moins bien. Donc si vous voulez une vidéo sur cette technique, pourquoi pas, mais ça a rien de compliqué. Donc tout comme ce filtre, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est tout con, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui s'en est rendu compte. Donc je vais faire l'exemple avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez vu que Benzema a été boosté dans la dernière Team of the Week. Alors, allez, Giga BBVA, recherché. Ah ouais, donc on va aller dans joueur concept, j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas Benzema. D'accord. Bon, là à la limite je suis sur la web app, donc c'est encore différent, mais je vous conseille quand même de faire ça plutôt sur votre console. Mais en tout cas j'espère que la technique aura été comprise. Donc c'est tout simple, vous allez tout simplement sur la web app chercher les joueurs sur le marché des transferts, sur la Xbox ou sur votre Play, sur votre console du moins, vous appuyez tout simplement sur LB qui correspond à la grenade flash pour ceux qui ne voient pas sur Xbox. Après je crois que c'est pas pareil sur Play encore, donc c'est encore plus compliqué à vous expliquer, mais voilà, vous allez tout simplement sur chercher joueurs sur le marché, là vous faites tout simplement retour et voilà, vous voulez votre Alexis Sanchez, voilà, vous voulez voir s'il y en a à moins de 580 000, je vous ai déjà montré ça avant, vous faites la recherche et donc voilà, vous allez tomber sur le moins cher à chaque fois sans que votre recherche soit pourrie. Vous m'aurez compris. En tout cas, j'espère que cette petite astuce, on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt une astuce, va vous aider. Et voilà, je vous promets que je vais vite sortir une vidéo d'achat-revente parce que j'utilise une nouvelle technique qui est monstrueuse. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai envie de faire des vidéos. Et voilà, je suis super content d'avoir enfin la Xbox One pour vous proposer du gameplay d'encore meilleure qualité parce que j'avais envie de commencer un wager to Aguero. Enfin bref, c'est super embêtant pendant les vacances en plus parce que voilà, j'ai le temps et voilà, tout ce que je peux faire c'est sur la web app, donc je vais quand même essayer de vous sortir une technique sur la web app. J'espère que cette astuce va vous aider un maximum et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.